Les Aravis, c'est une chaîne de montagnes qui vraiment donne en plein sur le massif du Mont Blanc en face. C'est vraiment des montagnes magnifiques, alors c'est pas des sommets très très hauts. Le point culminant, ça va être la pointe Percée qui doit être à 2007 à peu près. Mais c'est vraiment des montagnes très, très pentues, très techniques et qui sont très 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 jolies, vraiment avec des reliefs qui sont vraiment très marqués. Le projet, en fait, c'est assez simple. On a pris une carte, on voit la chaîne qui se dessine de façon très nette sur la carte avec les reliefs. Et le but, c'était de partir du départ des montagnes jusqu'à l'arrivée, donc avec les deux points culminants de la chaîne, avec la pointe Percée et terminée par la dernière montagne, le Charvin. Et vraiment, c'était de dessiner cette chaîne sur le plus proche des sommets, sur les arêtes. Donc on arrive à Rome à 4h du matin. Et c'est assez particulier, c'est une ambiance assez différente de d'habitude par rapport à une ligne de départ sur une course. Et bizarrement, alors j'étais stressée un peu la semaine avant, mais en fait là, je sais pas, j'ai qu'une envie, c'est y aller. Y a que les copains déjà autour des flammes Scott sur une ligne, imaginez, au cœur du village. On est tout seul, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Et bizarrement, en fait, non, le stress descend et en fait, on n'a qu'une envie, c'est y aller. Donc au départ, je suis accompagnée de Clément et Max, qui, les pauvres, sont un peu fatigués parce qu'ils reviennent aussi d'un beau projet quelques semaines avant. Donc on part tous les trois à la nuit. Donc pour l'ascension de la pointe Percée, je me retrouve avec Max, Clem et Damien qui nous a rejoints déjà depuis le col de l'Alep. C'est vraiment très impressionnant et on a l'impression de faire un peu d'alpinisme en fait sur cette pointe Percée. Bizarrement, on arrive à la gravir assez facilement et la vue là-haut avec un lever de soleil en plus à l'heure où on est passé, c'était juste grandiose. On est clairement sur un circuit de skyrunning extrême, on était au plus près des crêtes. Pas beaucoup de chemin, quelque chose d'hyper technique où le déplacement est rendu très difficile. Ouais, c'était fascinant de la voir avancer comme ça. Je pense qu'elle était clairement sur un énorme pic de forme et ça faisait plaisir de la voir se déplacer à cette vitesse avec le sourire tout le long du parcours. Cette traversée, elle correspond vraiment à Annie. Allez, super. Parce qu'Annie, c'est une athlète, mais aussi une personne qui adore partager. Et c'est vrai qu'après cette petite partie escalade, on a vraiment tout le déroulé de la vallée des Fours. Et là, c'est vrai que tout se passe bien, je me sens super bien. C'est encore des parties assez roulantes, jusqu'à gagner le trou de la mouche ou encore notre petite pépite des Aravis avec ce relief qui est vraiment incroyable. De la Moue jusqu'aux portes des Aravis, c'est le gros chantier un peu de la première portion en fait de la chaîne où là clairement on est dans du pierrier et sur la paroi rocheuse dure. Donc il n'y a pas de chemin, il n'y en a pas. C'est à gauche, ouais. Ah, même peut-être à gauche du caillou, ça a l'air pas mal en dessous, comme tu vois, comme tu le sens. Donc on va enchaîner en fait toutes les combes en restant le plus près des arêtes. Donc on va passer à la Roale, à Tête-Pelouse, à Balme, jusqu'aux portes. Et clairement c'est difficile, on commence à avoir quelques heures aussi dans les jambes. La partie très usante parce qu'on ne peut pas courir, ou du moins très difficilement, ça patauge un peu. Donc il y a des coups de bambou qui s'enchaînent, mais j'arrive à peu près à me refaire la santé dans les descentes. Donc de la porte des Aravis jusqu'au col, là on attaque la descente la plus infernale avec Damien, où elle fait très très mal, on prend plus de 1000 je pense, mais droit dans le pentu. Pareil, il n'y a pas de chemin. Donc heureusement il y avait un troupeau de brebis qui nous a fait quelques traces, mais c'était dur. Et bon voilà, on a serré les dents, on arrive au col et là c'était génial parce que tout le monde nous attendait. On avait bien une quinzaine de personnes pour nous accueillir, j'avais un ravito de luxe à l'arrivée. Donc c'était vraiment super et donc c'était le moment de passer le relais donc pour Damien et c'était du coup Thibaut qui prenait le relais pour monter la combe à Marion. Alors Thibaut c'est le local, voilà, il est né à la Clusaz, il les connaît par cœur. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a fait la trace jusqu'au sommet de l'Étale. Ouais, c'est ça.
Donc c'est là où ça va se compliquer. Déjà, je suis aux deux tiers du parcours. J'ai déjà bien puisé dans cette toute partie-là de pierrier. Et on a un mur, clairement. La partie assez délicate avec un couloir, en fait. C'est là où il faut faire très attention, où on ne peut monter qu'à deux. Et là, finalement, malgré la fatigue, bah, je me concentre. Thibaut m'aide beaucoup. Il faut poser la main là, poser le pied là, faire attention aux cailloux, faire vraiment très attention parce que tout s'effrite. Et ça s'est super bien passé, en fait, cette montée. Donc là, je suis un peu dans le dur, c'est assez dur. Et on arrive au sommet de l'étal, donc là, c'est grandiose. On voit la fin de la chaîne et on voit le Charvin. Donc, et c'est là qu'on va rester tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les arêtes. Là, il y a une longue descente où j'arrive à courir, mais là, c'est vraiment difficile. Heureusement, on voit les copains qui sont un peu au loin et qui sont au pied du Charvin, qui nous encouragent. Et donc, on va faire cette dernière ascension. Où là, ben, après l'alpinisme, après l'escalade, après la course à pied, après la marche nordique, je sais pas comment on peut l'appeler, il y a dû monter à la corde. Allez, 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 allez. C'est assez rude, ouais, parce que là, j'ai plus de jambes, mais j'ai plus de bras non plus. Donc cette ascension, on se fait vraiment grâce aux copains. C'est vraiment eux qui m'encouragent jusqu'au bout, parce que c'est vraiment difficile. Donc on arrive au sommet, bon c'est grandiose, hein. Ça y est, c'est le dernier, c'est le dernier de la chaîne. C'est super, allez. Allez, on est reparti. Là je sais pas, les encouragements qui me portent, la tarte aux myrtilles de l'arrivée, je ne sais pas, mais je relance et puis ouais, ça déroule. On a une bonne portion assez technique, mais en restant vigilante et bon, je serre les dents là, quand même très mal, mais ça se passe bien. La performance, elle est juste incroyable. Sur un tracé comme ça, la voir finir à une vitesse folle dans la dernière descente, il faut vraiment se rendre compte de la performance d'Anne-Lise sur cette traversée qui est... Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. En arrivant en Fontanettes, je me dis que j'ai réussi. Que j'ai réussi ce pari fou de traverser les Arabies. Du coup, j'arrête le chrono, ça fait 10h35. Je ne pensais vraiment pas que ça serait réalisable en 10h30. Donc c'est vraiment chouette. Ça a été un grand moment de partage en plus, parce que clairement, ben, c'était toujours avec les copains, c'était avec Scott, c'était avec tous les partenaires qui ont soutenu le projet à fond. Faire des courses, c'est génial, mais franchement, arriver à concrétiser un projet comme celui-ci, ouais, je re-signe. Vraiment un grand merci à tous ceux qui ont pu soutenir ce projet et qui ont permis de le réaliser. Bon, on va se prendre un petit coup. Allez. Un petit coup? Ouais, on l'a bien évité.